Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Sécurité, 600 soldats algériens formés en Russie bientôt au Mali, pour combattre les djihadistes. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. L'Algérie et le Mali veulent aller très loin dans leur coopération militaire. Le site Bamako.com nous apprend, dans sa publication du lundi 01 octobre 2021, qu'un contingent de militaires algériens formés spécialement en Russie est attendu au Mali dans les jours qui viennent. L'Algérie veut déployer de grands moyens militaires pour aider le Mali. Selon le site, ces 600 soldats ont été formés en Ossétie du Nord-Alanie, une république de la Fédération de Russie, aux côtés des éléments du groupe de sécurité privée russe, Wagner, la bête noire de Paris. Dans la discrétion la plus totale, ces soldats algériens et de Wagner prendront bientôt pied au pays de Sounjata Keïta. Lors d'une visite de travail à Bamako, Rantan Lamanra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger de l'Algérie, avait assuré aux autorités de la transition que son pays se tenait à leur côté. La junte au pouvoir à Bamako subissait alors les menaces et autres acrimonies de la France pour avoir pris langue avec Wagner, pour assurer la formation des militaires maliens et assurer la sécurité des autorités de la transition. Avec la formation conjointe des militaires algériens et les hommes de Wagner, qui seront incessamment déployés sur le théâtre des opérations au Mali, il est clair que la France, qui se croit en position de désigner avec qui ce pays de son pré carré devra coopérer, sera bien obligée d'avaler la couleuvre de bonne ou mauvaise grâce. On attend de voir comment Abidjan, qui avait fixé la signature d'un éventuel accord avec Wagner, comme une ligne rouge non franchissable, va-t-elle de son côté réagir. Pour sa part, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDIO, qui ne sait plus par quel bout prendre le dossier malien, sera confrontée à une équation encore plus inextricable. En tout état de cause, le colonel Assimi Goïta et ses hommes ne semblent pas être intimidés pour le moins du monde par les imprécations. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.